LMIS, l'école française. Unité 1, leçon 2, application du frottement. D'abord, les avantages du frottement. Le frottement contrôle la vitesse des voitures qui se déplacent sur la route. Aussi, le frottement contrôle l'arrêt des voitures en utilisant les freins, comme ici. Le frottement aussi nous empêche de glisser sur la terre en marchant. Pour tenir les objets, on a besoin du frottement, sinon les objets glissent de nos mains. Aussi, le frottement est nécessaire pour la combustion d'une allumette. Pour allumer une allumette, on a besoin du frottement. Le frottement sert à l'équilibre des corps en mouvement. Mais, quels sont les inconvénients du frottement? 1. La destruction des parties internes des machines électriques à cause de la force de frottement entre les parties mobiles en contact, ce qui cause l'élévation de la température de ces parties, ce qui cause leur corrosion. 2. Le chauffage des pneus de la voiture, ce qui cause leur explosion, comme vous voyez. Méthode pour diminuer la force du frottement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la force de frottement? 1. Utiliser les graisses ou l'huile pour diminuer l'effet de la force de frottement entre les parties mobiles des machines, comme dans les moteurs des voitures. 2. L'utilisation des roulements habiles entre les surfaces mobiles dans les machines électriques. Les applications quotidiennes. Pour économiser l'essence de la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire? Diminuer la vitesse de la voiture. Et cela cause quoi? Cause la diminution de la force de résistance de l'air. Et par suite, la force de frottement diminue le travail exercé par le moteur de la voiture. Et certainement, ce travail est fait par l'essence. Comme ça, on peut économiser l'essence. Aussi, les nouvelles voitures ont une forme aérodynamique. Pourquoi? Pour diminuer la résistance de l'air et donc diminuer la consommation de l'essence. L'utilisation des roues en caoutchouc. Et on sait très bien que le caoutchouc a une force de frottement grande. Ces roues ont des gravures pour diminuer les accidents. Comment? Les gravures des roues des voitures vont accumuler l'eau qui se trouve sur la route. Pour que la force de frottement ne sera pas affectée par les surfaces mouillées. Si un jour on a de l'eau sur la route, on ne sera pas affecté à cause des gravures qui se trouvent dans les roues de nos voitures. Merci.